Oui, mais... Cause. Quoi? Tu tournes? Oh, t'es van life ou t'es pas van life? Pine dans la gueule. Oh putain, ça a fait pchit. Du coup, franchement, c'est bien mieux. Bon, ça fait une petite heure, une heure et demie qu'on roule. On est complètement à l'arrêt. Parce que ça y est, les gilets jaunes. On sévit. On a déjà en fait. Il y a l'air d'y avoir une belle barricade de gilets jaunes là-bas quand même au loin. Voilà, là-bas au fond, vous voyez, il y a plein de gilets. On a fait à peu près 400 mètres en 40 minutes. Ça va être long pour aller jusqu'à Fayon. Ouais, jeunes. Ouais, jeunes, les socialistes et radicaux. Ouf, France. Au niveau de la hanche courte ou de la tête de Speed Factor. Par défaut, en fait, je vais dire si tu pêches. Bon, voilà, on a fait un deuxième pit stop pour prendre un peu des forces. Le Red Bulles. Yes. Pourquoi? Parce que Santa la fatiga. La dame a la de gracias. On a pris les Doritos. Donc on a des buenas tardes. Buenas tardes. Buenos noches. Días. On se rapproche les Kim et Kimenza. Bon, ça y est, là ça fait 7 heures de route, ça commence à être compliqué. Santé les gars, ça y est, on est arrivé. On est à Fayon Fishing. Donc on trouvait pas et puis on a vu deux drapeaux de Hollande devant un portail, donc on s'est dit que c'était là. Je trouve ça cool. Ouais, ça franchement c'est bien cet accueil. Et on va rejoindre les guides tranquillement et on va aller se coucher. On va les manger. Parce qu'on va les manger et après on va aller se coucher. Jour 1. Jour 1, première. Il pleut. Et du coup, tu vas où? Je vais me séguer. Ouais, les gars, premier jour. Il pleut. Bon, pour l'instant, ça a l'air de se maintenir un peu. Il pleuviote, on va dire. Donc on prépare tout tranquillement, on saute dans le bass boat et voilà, Dominique est resté se reposer un peu, il était un peu barbouillé. Et voilà, donc premier jour de trip, on va voir ce que ça donne en pêche. La pluie devrait partir tout à l'heure, mais il y a le vent qui devrait arriver, donc je sais pas si c'est mieux, on verra. On est pas mal. Salut les copains. Sarek. Sarek. Bon ben voilà, on est arrivé en Espagne, hein. On est à Fayon. Ouais. Notre guide aujourd'hui Sabré. Sabré, bonjour. Ça va pêcher aujourd'hui ou pas? Non. On espère que oui. A priori, ça devrait être pas mal. La température a un peu baissé, il pleut, donc on va essayer de faire le mieux qu'on peut. Et au puis. Des images. Ouais. Au niveau des poissons. On devrait faire des belles images. Ouais. Et ouais. Donc ça va être un peu compliqué aujourd'hui sur cette première journée parce que là on a la pluie et quand la pluie va s'arrêter, on va avoir le vent. Donc on a le choix entre on n'arrive presque pas à filmer et on va noyer la caméra ou il va y avoir du vent et on va pas nous entendre. Donc on perd pas trop de temps sur les intros et on va essayer de faire au mieux pour vous montrer des belles images sur cette première journée à Fayon. Allez copains. On est chaud patate. Ouais, en plus on a plein de nouveautés patate, à vous montrer. On a vu tous les nouveaux leurs là, on est dingue. On a bien dormi, ça devrait le faire. C'est ça, on a juste perdu un guide mais... Ouais, on a perdu un guide dans la bataille mais il reviendra plus. C'est les gambas, elles ont été pas bonnes hier. C'est les gambas. Allez copains, à de suite. Après là, c'est un peu à l'abri ou... Et non, juste là-bas, parce que le pylon était juste au centre de la rivière. D'accord, ouais d'accord. Alors ah. Voilà. Ma seule prise de la journée. Non, c'est... tout est sur off aujourd'hui, ça veut pas. Et on a vu une perche au tout début ce matin qui m'a suivi comme ça. Et c'est tout. C'est con, parce que t'as un beau filet à tout là. Bah ouais, si j'avais raconté qu'on a fait plein de poissons, ça aurait été cool. Mais non, là, ça veut vraiment pas. Bon, conditions pas top. C'est compliqué? Oui, très compliqué. Avec le vent, c'est pas possible de pêcher à la verticale et... Les poissons ont la bouche fermée. Et... C'est ça la pêche.
c'est en mode normal. Bah oui. C'est de la belle merde. Donc là on a une petite rivière qui arrive, mais il n'y a pas d'eau. Et là-bas il y a une petite vallée qui arrive et je le sens là. Là je le sens. Et le guide nous a dit qu'il avait déjà fait quelques belles perches là-bas, donc là, ça va sauver la journée là. Donc, c'est on fire. On fire tiger. Bah oui. Ouais. Voilà, un petit cendre. On n'a pas eu une seule touche depuis 5-6 heures. Donc on a dit il faut tenter le tout pour le tout, je vais mettre un plomb palette. Je savais même pas comment ça se montait, j'ai regardé la notice parce que j'ai jamais pêché avec ça. Et voilà. Voilà. Un petit cendre espagnol qui vient sauver le capot de cette dure journée. Donc merci le plomb palette. C'est ouf. Je vous jure c'est ouf. Vas-y. C'est con mais c'est à avoir dans sa boîte du coup parce que là il y avait vraiment que ça à faire. Hein. C'est moche, ça ne ressemble à rien. C'est deux morceaux de plomb avec une perle. J'y ai même pas serré le truc. Voilà. Alors qu'on va passer d'ailleurs tout beau, tout nouveau. Je comprends pas. Je vais le mettre un petit peu plus loin pour faire un peu plus gros. Tu vas voir. Regarde. C'est descendre à la verti. Crac, t'arrives au fond. Voilà, et tu fais ça. C'est passionnant en plus. On a passé tous les leurres, tous les grammages, toutes les tailles, tous les spinners, les adrénaliums, les poissons d'étain et tout ce que tu veux. J'ai mis ça et on a fait une demi-dérive. C'est n'importe quoi. Je t'en ai pas vu. Oh poisson. Non ? Ah si si si. Oh poisson live ! Pendant que je montrais le pompe là. Non mais sérieux. C'est beau, hein. Ouais ça a l'air plus beau. Ouais c'est joli ça. Voilà, pompe à l'aide qui fait des siennes encore. C'est pas vilain hein. Ça brille avec le pompe à lettres. Par contre on a oublié l'épuisette comme des débutants. C'est maillé celui-là. Ouais je pense. On a mis une vraie touche, pas comme le premier. Je peux pas le compter. Ouais il bouge. Bon, c'est peut-être mon record celui-là. Ouais je sais pas. Yes! C'est bon ça! Là je pense que c'est le plus bon plan là les gars! Voilà, tout palais! Et ça boy! Ah voilà, ça fait plaisir, il est fat celui-là! Bayo est en train de faire les photos du poisson. On a sorti la toise, il était encore piqué en plus, je l'avais pas encore décroché. Et il a glissé, il est tombé dans l'eau, parce qu'il était encore bien en forme. Il était encore piqué à ce moment-là. Donc là, bah, j'ai vite repris la canne, j'ai refermé le pick-up, j'ai commencé à le remonter tout doucement, mais je pense que ma tresse, elle avait fait un tour dans un anneau ou je sais pas quoi, et à un moment donné, il a remis un rush, ça a pété. Donc on a pas la vidéo de la release, on a pas la taille, mais il devait faire plus de 80. Enfin, c'est mon record de cendre, mais du coup, j'ai pas la taille, je bisque. Et voilà, et on a plus ou moins des photos, mais bon, ça encore, ça va. Et voilà. Mais bon, en plomb palette, quoi. Mais du coup je vais vous montrer comment ça s'installe maintenant que je gère. Et je vous avais dit que les 80 plus fallait 2,8 cm d'épaisseur. La toise. Oh merde. Ceux qui font la compète ce week-end, un petit kit Christian Cochard plomb palette. 20 euros. Pour le monter directement sur votre ligne, on passe le plomb. Ok. On passe une petite gaine rouge pour faire des 80 plus. Vous pouvez prendre une verte pour les 60 plus. Pardon. D'abord on met la perle. Petite perle blanche nacrée, hop, petit gaine rouge, ok, et petit triple. Donc tout est dans le kit, hein, c'est hyper pratique. Hop, petit nœud palomar. Putain, je suis dégoûté. Monvier. Hop. Petit nœud palomar, toujours on mouille ses nœuds évidemment. Hop, et là,
pour faire des plus de 80 comme celui que je viens de faire, comme je vous disais, 2,8 cm. Non, 4,8 cm. Non, je rigole. Mettez votre plomb ici. Voilà, pour laisser un petit écart. Et donc là, vous me dites, mais ils sont où les leurres? Ils sont où les vifs? Ils sont où les... Non, non, c'est ça marche. C'est comme ça. C'est juste ça. Voilà. Regardez, je vous montre. Je viens de le faire. Hop. On se met tous au plomb palette. Et plomb pas le power. Aujourd'hui il y a que ça. Hein. Allez. Ils sont compliqués. Venteuse, pluvieuse. Heureusement qu'on avait notre kit plomb palette. On a 12 tonnes de nouveautés et on finit la journée au plomb palette. Que voulez-vous? Il est 4h et on commence à avoir plus de batterie. Donc il va être l'heure de rentrer. On a fait le coup aujourd'hui, bah, c'est l'heure de boire des bières. Ça règle les copains? Oui. Bon, ben, on a retrouvé Dominique. Dominique, ça va mieux? Oui, la forme. Les gambas sont passés. Les gambas sont passés. On a retrouvé le soleil, on a retrouvé Dominique, on a retrouvé du poisson. Une journée qui se termine bien au final. Donc comme vous avez vu, journée compliquée. Il a plu ce matin. Il a fait beaucoup de vent. On a passé toutes les boîtes de l'heure. On a passé par des états de déprime. Et au final, Kéké a sorti l'arme ultime. Le kit plomb palette. Et avoir lu la notice du kit parce que je m'en suis jamais servi. Bah, j'ai fait On a bien écouté ce que disait Dominique. Dominique, il m'a dit prends du poisson d'étain, prends du plomb palette, ça peut toujours servir. Voilà. Ça nous a sauvé la journée avec un beau 80. Kéké, je te vois pas dans le cadre. Ah, je suis caché. Ouais, t'es caché. Kéké, voilà. Il est caché. Kéké, il est caché. Ah ouais, mais les gars. T'as pas les bras assez grands, c'est pour ça. Ah oui. Et voilà, donc une belle journée au final. Ouais, ça va, on a bien sauvé les meubles sur la dernière heure, c'était pas mal, ça va. C'est clair. Ça a bien rattrapé le truc. Donc on a à peu près trouvé les poissons pour demain, ils sont pas encore d'accord sur la météo. Il y en a un qui dit qu'il va faire du vent, l'autre qui dit qu'il va pas faire du vent. Il va falloir checker ça ce soir. Donc je pense que demain on va aller avec le guide qui a dit qu'il y aurait pas de vent. Voilà les amis, allez, et ben... à demain pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.